C'est parti. Bon, moi je voulais jouer. Ouais, tu peux rester avec nous, hein, Ju. Ouais, tu peux rester sur le chat, ouais. Bah, si tu fais relax, ouais. Ah, je regarde juste parce que. Ouais, il y aura peut-être pas un grand monde, hein. Il faut le temps que ça lague un peu chez moi. J'ai du freeze. Ah, ouais, mais ça, c'est à pied, c'est normal. Ah, ok, ok. Vas-y, prends un véhicule, monte dans un véhicule. Ouais, à pied, t'as l'impression que ça saccade à mort, quoi. Alors. Prends un tracteur comme toi. Ok, je suis dans le tracteur, Elki. T'es où? Je suis dans le tracteur rouge, mais il y a une touche, j'imagine, pour l'allumer. Ouais, c'est entrée, tu maintiens entrée. Ok. Après, tu fais contrôle espace pour déverrouiller le frein. Ok. Et là, c'est... Bah, je vais te suivre, ouais, là ça va nickel. Je vais te suivre. Ouais, là tu lagues pas là. Non, non, là, ça va nickel. Donc, attends, je vois la ferme, je vois les icônes ronds blancs là où on fait le plein, je vois les remorques, les animaux. Ah, ouais, moi je les ai pas les ronds. Moi. Ouais, mais c'est parce que moi je les ai avec tout le monde. Bah les poules elles se trimballent dans la cour de toute façon. Oh, mais c'est bizarre ça. Le panneau sur large le chemin. Ouais, c'est pas grave. Non mais les panneaux tu vas voir ils tiennent pas. T'as vu là l'espèce de préau en verre là qu'on a vu là-bas là. En plexi là. Ah, ouais là, les plaques de direction. Hein? Comme des plaques de direction. Tu sais, juste derrière les fous là, il y avait. Oh j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Là je bah, te c'est suis. Pour les vaches. Ici, c'est pour les cochons. Ok, ici c'est pour les cochons. On en a pas du coup. Non, non, pour l'instant, bah non. On est loin d'en avoir. Mais... J'en entends. Ouais, mais en fait. C'est pour dire en fait, que c'est ils pour ont les fait ça sur la map. Okay. Non, c'est... ils ont fait ça sur la map. C'est, j'imagine que c'est juste pour quand on a en fait qu'il y ait plus d'animation dessus. Okay. Ça fera plus de. Ça fait plus de bruit, ça fait plus. Voilà. Du truc à plein, ah bon, c'est les cochons. On va aller faire le tour là-bas. Ouais. Tu roules avec la vue. Tu roules avec la vue extérieure. Extérieur. Non, extérieure. Des fois je prends la vue intérieure, c'est bien aussi. Là on est où là? On va aller à Pavis. C'est chaque fois la zone où on peut commencer ça, quand il y a le cercle bleu près des lignes jaunes. Non, là c'est pour acheter le champ en fait. Ah. Parce que tous les champs que tu vois là qui sont plantés, ils sont plantés mais ils ne nous appartiennent pas en fait. D'accord. Si tu veux ce champ-là, la taille d'ailleurs, si tu veux ce champ-là, bah faut l'acheter. Mais par contre, ce qui est bien sur cette map, c'est que bah, voilà, quand t'achètes un champ, au moins t'as déjà de quoi moissonner et faire de l'argent dessus.
Voilà, bah, c'est un lieu de vente comme tant d'autres. Et en fait, regarde. T'as vu ton inventaire là? T'appuies sur I. Ouais. Je vois la météo. Donc là, bon, t'as l'aperçu, voilà, la météo, ça on s'en fout. T'as une flèche en haut à droite. Ouais. Tu cliques dessus, donc t'as les joueurs. Ouais. Après, t'as entrepôt. Mmh. Donc ça, c'est super important. Donc là, en fait, donc t'as type de culture, donc blé, orge, colza. 96 millilitres pour le blé. Donc ça, c'est ce qu'on a, nous, dans les silos, en fait. Ce qui nous appartient, qu'on a en stock. D'accord. Donc ça, c'est nos stocks, en fait, tu vois. Donc on maïs, on a 0 litre, tu vois. Ouais. Et donc, après, ils mettent en litre, les ils autres mettent trucs en à côté... Ils mettent pas en tonnes. Non, ils mettent en litre. Mmh. Ouais. Ils mettent en litre. Mais en fait, ouais, faut considérer que 1000 litres, c'est une tonne. Grosso modo. Okay. Non, je... Bref, c'est un peu chelou, mais voilà. Ils l'ont mis comme ça, tu vois. Et donc à côté, tu vois, t'as Agravis, Getrade, Banoff, Baywa. En fait, tout ça, c'est les endroits d'achat. C'est Jus qui a quitté. Ouais, en fait, c'est les... Ouais, c'est les lieux de vente, tu vois. D'accord, tu vas aux plus offrants. Ouais, et bah ouais, du coup, après, tu vas aux plus offrants. Donc là, les prix sont très faibles. C'est des tout petits prix parce qu'on est en partie difficile. Et c'est donc, quoi les flèches que t'as une flèche grise vers la droite et puis l'orge et le colza, on a une flèche vers le bas? Ça veut dire que les prix sont en baisse en fait. Parce que c'est vraiment des prix évolutifs quand même, tu vois. Par rapport à hier comme tu m'as posé plusieurs fois. Hein? Toutes les 24 heures. C'est ça, tu vois. Et en fait, donc, ouais, t'as des prix qui sont en baisse et après t'as des prix en hausse et surtout, des fois, t'as des fortes demandes. Et en fait, nous, c'est surtout à ces moments-là qu'on vend, tu vois. Parce qu'en fait, donc là, tu vois, par exemple, t'as marqué 321 euros la tonne chez Banoff. Non, attends. Ouais, chez Banoff, t'as 321 euros la tonne. Bah, quand il va y avoir une forte demande, ça veut dire qu'eux, ils ont plus du tout ce qu'ils demandent, ce qu'ils recherchent. Et du coup, ils sont prêts à le racheter à un prix très élevé. Alors, déjà, à la tonne, ils proposent déjà un tarif du coup beaucoup plus élevé que les autres, tu vois. Ouais. Et en plus, pendant une certaine période, donc c'est marqué à côté, tu vois, et ben ils multiplient le prix par entre 1,5 et jusqu'à plus de 2, tu vois. Et du coup, ils te rachètent ça au double du prix. Quoi. On a quoi comme entrepôt? On peut stocker jusqu'à combien de litres, par exemple, de blé? C'est illimité. C'est illimité. C'est illimité. Et donc, si tu nous, vends... on avait presque 1 000 000 sur l'autre map. Hein. Si tu vends une tonne, donc tu serais à 95 698, quoi, plus ou moins. Si tu vends une tonne. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Et c'est toi qui vends ou tous les joueurs peuvent vendre sur le jeu? Il n'y a que toi qui vends. Ah, tous les joueurs peuvent vendre. Non, tous les joueurs peuvent vendre. Ouais, mais t'as un accord avec eux pour vendre quand vous êtes tous online pour décider quand c'est le meilleur moment ou t'en fous, genre tu travailles, tu vends ça... Bah, c'est ça le truc. Moi, je m'en fous que vous vendiez, tu vois. Moi, je m'en fous que vous vendiez du moment que c'est pas vendu n'importe quel moment, tu vois. Ouais. Donc, si t'arrives qu'il y ait une forte demande et que tu vois, c'est pareil. Si tu vois qu'il y a quasiment pas de stock, c'est en fonction des stocks aussi, tu vois. Tu vas pas les vider tous les stocks, tu vois. Enfin, je sais pas, pour moi, après, ça paraît logique. Et oui, du coup, ouais, bah, après, tu peux vendre. S'il y a une forte demande, que tu vois que ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde, voilà, tu vois, si c'est dans l'intérêt de la partie. Et on a combien, là, plus c'est ça le but, hein, de toute façon. T'as combien, là, on y voit je vais te dire, attends, je suis même pas connecté. Bah, si tu veux, tu peux te connecter en tant qu'admin, non, monsieur. Non, pas mal, non. On a 26 456. On a pas beaucoup. Non, on a vraiment pas beaucoup, tu vois. Si tu regardes dans la boutique, on peut rien acheter avec ça quasiment. 25 000 euros. Bah, c'est parce que je regardais les finances aujourd'hui, tu vois. Je voyais ce qui était prélevé. Moi, 5 euros pour les dépenses du cheptel. Ouais. Moi, 420 euros, c'est par mois ça? Non, ça c'est par jour. Ouais. Ça c'est le coût d'entretien que des véhicules en fait. Parce que chaque véhicule, chaque jour en fait, des véhicules ils coûtent de l'argent, tu vois. Ouais, tu vois. Et autre, et plus t'as de véhicules, plus il te coûte de l'argent, tu vois. Ouais, ouais. Et autre, après, bah, autre, par exemple, t'as les œufs, y a le lait aussi dans autre. Enfin, y a plein de trucs, tu vois. Ok. Joueur, je vois. Section des véhicules. Ouais, d'accord. En gros, si je déco avec mon tracteur là, il sera là pour l'autre joueur ou il sera mis dans leur garage? Ah, bah oui. Okay.
Ouais, non, non, bah non, il reste là, c'est pour ça. Il faut ranger les véhicules. Et sinon, c'est le bordel, quoi. Après, on retrouve tous les tracteurs au bout de la map, quoi. Ouais. C'est ça le truc, en fait. C'est pour ça que. Voilà, tu. Et on en a combien de tracteurs dans la map ? Là, on en a que 3. 3 tracteurs pour l'instant. Ok. Ah, tu me montreras le. Parce que j'ai vu le chemin, je vois les vues de la carte. Donc, notre base, enfin, notre ferme, elle est. Elle est là où il y a les poules, les moutons, ouais, mais par les rapport, vaches. Par rapport au champ, là, tu vois. C'est en dessous du 1. C'est en dessous du 1, ouais. Ok. Ok, ok. Et attends, c'est quoi ça? En cours de croissance, prêt pour la récolte. Ah oui, oui, je vois les couleurs. Prêt pour la récolte, attirer les fans, faner. Ouais, ok, faut connaître les machines, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais... On n'a pas de moutons, on n'a pas de vaches. Et on a 20 poules, hein. Non, pas pour l'instant. Ouais. Putain, elles pondent pas les poules. Pour l'instant, on a... 2 œufs. Bah, on a 18 œufs transporteux. Ouais, mais on a 18 dans le sac aussi, c'est qu'ils ont été ramassés. Ça, ça se fait automatiquement ? Non, c'est nous qui... C'est toi, en fait. Tu... Quand tu passes sur les œufs, ça les met dans ton sac, et après, tu vas les vendre. À pied ? Bah, tu peux y aller en tracteur. Ok. Mais par contre, tu fais attention en t'asseyant avec ton sac à dos à pas casser les œufs. Ouais, attends, bah j'essaierai quand je te verrai aussi là-bas. Ah ouais, je rigole. Ouais. Ils ont peut-être poussé une vis, hein. Est-ce qu'on sait dézoomer la carte ? Hein ? Et genre ? Dézoomer. Bah t'as appuyé sur 9. Ah ouais, ouais, ouais. Bah attends, j'ai pas encore vu moi ça. Ouais, en fait c'est ça, tu vois. Tu peux l'agrandir la map. Ouais, j'aime bien. Est-ce que tu coupes jamais à travers champ avec ton tracteur? Alors tu crois que les routes, hein? Comment? Ouais. Ouais, moi je prends les routes. Ça va. Quelle question. Après, je dis pas que je mords pas les bordures de chemin, de route, mais voilà, pas dans les champs. Ouais, mon tracteur il est dégueulasse. C'est où qu'il aurait pu le laver le mec à ce jeu avant moi. Ouais. Il aurait pu. Ça, ça colle, hein. Et donc ouais, là, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, ce que j'ai comme remorque, c'est pour mettre le, c'est pour pulvériser les engrais chimiques. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour ça, j'ai fait le didacticiel. Donc ça, c'est, tu vois, ça, c'est un champ à nous. Parce qu'il n'y a pas de marque à côté, ouais. Lol, tu le ferais à main ? Non, non, c'était involontaire. Non, c'est que quand si t'accélères trop, si vraiment t'accélères trop et que tu fais un gros virage, tu vois, le tracteur, il part, tu vois, la réaccélération. Ouais, ouais. Ah, des fois, il dérape, le tracteur. Tu vois. Et t'as aussi des tout-tout... Enfin, je veux dire, quand tu roules, t'as vraiment tout-tout-tout petit lag ? Tout petit décalage. Bien, c'est ouais, vraiment léger. Mais léger. Ça se voit que sur les pneus en fait, presque. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Si t'éloignes, ça se voit pas. T'es vraiment sur les pneus, c'est sur des petits détails. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, c'est. Bah, du coup. Ça, je crois que ça le fait sur n'importe quel serveur. Hein. C'est ici qu'on fait le plein. Serveur dédié. Non. Bah, je vois un truc d'essence juste à côté. Ouais, je sais pas si on peut faire le plein. La citerne. Si, on peut faire le plein. Si, si. Mais on a deux citernes à la ferme. Et ouais, quand tu fais le plein, ça coûte de l'argent à la société. Ah mais non, ça c'est... Oui, par contre ça prend de l'argent sur... C'est pour ça, hein. Tu vois là, les 25 000 euros qu'on a, en gros ça suffit juste à payer notre gasoil pour l'instant, payer nos semences, voilà quoi, payer de quoi planter quoi. Et le niveau d'essence, on est à fond avec 329 litres là. Je sais pas, je sais pas. Alors, tu vas à droite. Descends du tracteur pour voir une seconde. Avec ok. Ouais, lui il est presque à fond. Mais après, ils ont pas toutes la même contenance, hein, les réservoirs. Comment t'as fait pour regarder la contenance? Pourquoi je devais descendre du tracteur? C'était pour regarder.
Là, il y a un tracteur qui est là. C'est un autre. Là, il y a un tracteur parce qu'en fait, tout à l'heure, tu vois, justement, j'ai commencé à faire à abattre des arbres pour faire un peu d'argent. Ok. Parce que voilà. Donc, t'as dû acheter le tracteur. Enfin, le tracteur, c'est donc le troisième, c'est ça? Ouais, mais ça, les trois tracteurs, on les avait de base. Ok, donc ce sont ces trois-là. Et la remorque, t'as dû acheter. La remorque, par contre, je l'ai acheté. J'ai acheté la remorque et le truc à l'avant, là, pour enlever les souches. Ouais. Et j'ai acheté la tronçonneuse. Alors, ça, c'est pareil, il y a un bug. Pour faire mieux. C'est-à-dire qu'en fait, et même en solo, quand t'achètes une tronçonneuse, bah, au bout d'un certain temps, tu sais pas pourquoi, des fois, elle reste 3 semaines. Et des fois elle reste 2 jours. Bah au bout d'un certain temps ta tronçonneuse elle disparaît et faut que tu rachètes. Ok. Ça coûte pas bien cher mais tu vois nous qui avons que 26 000 euros, s'il faut acheter une tronçonneuse à 1 000 euros tous les 2 jours. Bref, donc là tout ça c'est des forêts, tu vois, tu peux abattre. Tout ça on peut couper. Combien t'achètes hein? Ça coûte combien un champ comme ça par exemple, comme à droite? Comme à droite là? Ouais. Bah regarde, tu descends, peut-être tu vas sur l'icône. Ah non, toi tu pourras peut-être pas. Il y a une vue extérieure comme DZ ou... Non, je vois. Non, non, non. C'est quand en première personne, quand tu descends. Ok, ok. Hop. Des 44 100 euros. Mais pourquoi je vois pas ton... je vois pas ton personnage, moi? C'est normal ça. Moi non plus, je le vois pas, tiens. Non, mais ouais, je sais pas pourquoi... Je le vois que dans son tracteur. Ouais. Moi aussi, mais ça nous fait ça depuis quelques temps, mais ça le faisait aussi sur la map Bjarnol. Ok. Donc là on continue. Encore un truc pour faire le plein. Et c'est voilà. Cool. Et ça tu vois, bah là par exemple là, à gauche, tu vois, ça c'est... Ça, ça nous appartient pas, mais on n'a pas besoin de l'acheter, tu vois. Okay. En fait là, toute l'herbe là, on peut la faucher et ça peut nous rapporter de l'argent en fait. Après on va vendre l'herbe et... Ça nous rapporte de l'argent, tu vois, tu peux en faire du foin, tu peux... Donc là, à droite, encore un lieu de vente, à gauche, le magasin. Et la remorque là qui est là en jaune, c'est quoi? Ah oui, d'accord, en fait, quand tu dis vente, c'est parce que tu viens avec ton matos jusqu'ici, tu déposes dans la remorque et ça te fait l'achat ou quoi? Le lieu de vente, oui. Là, en fait, là... Regarde bien. Là t'as un silo ici, tu vois. Regarde ici. Là. Où je suis. Ah non, ok. Ah ouais, je suis descendu du tracteur avant. Je suis descendu du tracteur, ah ouais. Forcément je me vois plus. Ok. Parce que en fait c'est derrière. Attends. Je remonte dans le tracteur. Putain, fais chier ça. C'est assez agaçant ça me fait. Bon. Ça vient peut-être du serveur, faudra que je regarde. Là t'as un silo et en fait tu verses ici et si t'as par exemple je sais pas moi tu maïs à vendre, tu viens de vendre ici, mais si c'est ici qui demande le plus cher, tu vois, enfin qui rachète au plus cher. Ok. Et du coup justement quand tu regardes sur la map, si tu ouvres la map avec 9, là ça te marque où on est, ouais, donc on est à 9, Metgerzeil. Et donc et donc avant de vendre quelque chose, tu regardes dans l'inventaire. Si tu vois que c'est Abanov qui le rachète le plus cher, bah tu viens ici. Puis voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Ok, ok. Mais tu peux tout tu peux déposer de tout en fait ici. Ouais. Ok. Tout non. Parce que après il y a des trucs comme le fumier, tu vois, tu peux pas le vendre ici. Mais sur cette la map, page. Logiquement, sur farming, tu peux pas le vendre. Ouais. Mais sur cette map, en fait, tu as un lieu où tu peux vraiment tout vendre. Tu peux vendre des copeaux de bois, tu peux vendre. Fumier de tout. Et l'essence elle descend, hein. Je perds rien il me semble. Oui oui, elle descend. Ok. Oh, tu vas plus vite que moi. Ouais. Et il y a des pannes sur les tracteurs aussi où il faut faire réparer. Non, ça c'est un mode qu'il faut rajouter, mais je l'ai pas rajouté encore, tu vois, et en plus il est même pas sorti. D'accord. On va couper à travers bois. Tu continues de me faire la visite là? Ouais, ouais, ouais.
C'est quoi la touche pour se mettre dans le... Ah, t'es bloqué? Non. Pour se mettre dans le cockpit. Je vois rien. Là, dans la cabine. T'appuies sur C. Ok, voilà. Lol. C'est pas très très roleplay ce qu'on fait, mais c'est pas grave. Petite visite du bois. Ouais, c'est ça. Oula, non. Et tu veux faire quoi là en fait? Bon, on va par là. Bon, en fait, bah, tu fais le tour. Fait, ouais, voilà, on va faire le tour. Tu vois. Attends, mais je sais même pas. Mais... Ah, genre, tu sais si le jeu supporte le traquier pour tourner ta tête et... Certainement. Franchement, je pense que oui. Ah bah, je le mettrai. Je pense que oui. Bah, c'est vrai que franchement, le traquier sur farming, moi, c'est la seule raison pour laquelle tu as le niche. Sinon, je rends bien derrière. Ah putain, mais par contre, travailler en vue atterrisse, ça doit être pas mal aussi. Ah ouais. Hein? Travailler en vue atterrir, et casser panneau. Travailler en vue atterrir, ça doit pas être simple. Hein. Moi, je le fais de temps en temps, c'est sympa, c'est marrant. Puis c'est plus joli, t'as pas la même vue et c'est vraiment plus joli. Donc tous ces champs-ci, ils sont à acheter, mais en gros, ils sont que pour nous. Ouais, on les achètera quand on pourra. Personne, aucun autre joueur ne peut venir. Voilà, on passe sous le pont sur lequel on est passé tout à l'heure. Ah. La map est bien faite, franchement. Elle est même mieux faite que celle de base. Et là, je vois là, qu'il y a de l'essence et puis il y a une pelote de laine ou je sais pas quoi. Là. Ouais, c'est pour vendre. Bah là, c'est pour vendre, tu vois, la laine des moutons, tu vois. Si t'as des moutons. Ouais. Donc, tu vois, tu peux vendre du fumier. Ici, tu peux tout vendre. Hein. Tu vois, tu peux vendre des œufs. Là c'est quoi? Là ça devait être betterave, pomme de terre, tu peux vendre l'ensilage, tu peux vendre le fumier, la paille, l'herbe, tu peux vendre le copeau de bois aussi. Enfin, tu peux tout vendre et tu peux aussi acheter, tu vois. Là tu peux acheter des semences. Si jamais si jamais il y en a besoin, voilà, tu peux acheter des semences. Mais tu peux en acheter aussi à ta ferme. Et là-dessus, tu déposes quoi en fait? Là, le carré sur lequel je suis, noir et jaune, enfin, rectangle. Ça, j'imagine que. Je sais pas en fait. J'imagine que c'est pour acheter des semences. Hein. Et alors, bête question, je regarde dans notre ferme pour nettoyer les tracteurs. Non. On a rien pour nettoyer les tracteurs. D'accord. Ça. Ok. Non, c'était pas la priorité. On va remonter par là. Hop. Ah ouais, Garden Center, le centre du jardinage, là, c'est bon, comme t'as dit, on achète. Ce n'est pas un des acheteurs. Un ban off. T'es jardinant, non? Mais c'est quoi le numéro de téléphone là chez Metzgerei? Il y a un numéro de téléphone? Je sais pas là, tout en dessous à gauche de la main pour dire un cornet de téléphone. Ah oui, mais ça c'est l'assistance. Ah, lol. C'est des Allemands qui ont fait la carte. Oui. Mais l'assistance tu l'as sur la map d'origine. D'accord. Ça c'est propre à farming en fait. Et l'assistance, donc c'est quand t'as besoin des fois d'une aide, tu vois, parce que tu sais plus comment on fait quelque chose et que tu veux consulter l'aide, et ben il faut aller consulter l'assistance, mais par contre ça te prend de l'argent, tu vois. Ouais, donc là c'est notre ferme ici à droite. Ok. Ouais, à droite c'est notre ferme. Ici c'est des silos, tu vois, bah là pour mettre l'ensilage. Bah, tout ça, on a des silos pour mettre l'ensilage. Et ici, en fait, justement, là, tu vois, là, c'est quoi, là, en face? Ici, en face. C'est pour moi de quoi? Attends, alors ça, c'est peut-être un entrepôt à fumier. Et dans ce cas-là, on ne l'avait pas vu.
Mais ouais, c'est un entrepôt à fumier, ça. À mon avis, ah, ouais. Mais je savais pas qu'ils avaient mis un entrepôt à fumier sur la partie. Pour ouais, il sait pas non plus, Yann. Parce que moi, je l'ai vu en mode. Je l'ai vu en mode, tu vois. Et ça, je savais pas qu'on en avait un. Ça va, bon, bah, c'est cool, on a un entrepôt à fumier. Et quand tu déposes. Et donc, ici, là. Ouais. Oui, vas-y. Quand tu déposes, tu sais, ici, donc mettons, tu dois aller, ouais. Tu déposes proprement, genre en marche arrière jusqu'au bout, tu déposes tout et puis après tu redémarres ou bien tu déposes n'importe où à l'intérieur Bah, quand vraiment il est vide, t'essayes de charger par le bout, tu vois. Ça ouais. Paraît logique parce que sinon après tu vas être emmerdé. Tu verras que tu vas être emmerdé parce que après en fait le silo il se remplit plus par le. Tu le remplis déjà par l'avant, en fait au bout d'un moment il va se remplir par la à l'arrière mais par l'avant en fait. Et du coup en fait tu vas être emmerdé et tu vas être obligé d'aller à l'arrière quand même pour le remplir. Ouais bah je te verrai. Je vous verrai faire aussi. Donc ici tu vois justement quand tu fais de l'ensilage là, tu peux verser avec un godet là dans les deux trous là. Tu ouais. Peux verser avec un godet, tu verses de l'ensilage et ça fait du biogaz, tu vois. C'est une usine de biogaz. Ça donne de l'argent. Biogaz, ok. Donc après on sait pas tout encore. Hein. Ça c'est pareil, j'imagine que ça a une utilité. Je crois que c'est la pesette, mais je sais pas si ça fait autre chose aussi, tu vois. Ouais, y a pas de panneau. C'est une balance, tu vois. Ouais, ouais. Tu verses avec la remorque et ça s'allume, mais. Ok. Enfin voilà, ouais. Bah c'est cool. Et donc ici, tiens, je vais te revoir vite fait à la ferme. Donc ici, si jamais, parce que quand tu utilises le semoir ou le réalisateur, tu vois, t'es toujours. Enfin, t'essayes de le remplir, tu vois. Donc le silo. Merde. Elles sont où toutes les remorques et tout ça? Ouais. Le silo rouge, en fait, c'est pour mettre de l'engrais dedans. Mais alors de l'engrais engrais en granulé, tu vois. Dans le silo rouge. Pas de l'engrais liquide comme le tien. Oui, le silo rouge. Ah oui, ok, les rouges. J'ai dézoomé. En haut, tu vois. Ouais. Voilà. Après, t'as le silo vert, donc ça, c'est pour les semences. Et le bleu, c'est pour la chaux. D'accord. Ça, c'est pour la chaux. Ça, c'est un truc à part sur cette map, tu vois. Et du coup, en fait, ça remplace, bah, justement, ça peut remplacer l'engrais. Et c'est naturel. Et du coup, en fait, t'as une remorque spéciale et tu peux le mettre avec un. Tu peux le pulvériser avec un épandeur en grès normal, tu vois. Et répète-moi ce que c'est le rouge. Le rouge, c'est l'engrais en granulé. Parce que toi, c'est de l'engrais liquide ce que t'as. Dans ton. Et l'engrais liquide, je vais te montrer où est-ce que ça se remplit. Bah, en fait, ça se remplit dans le hangar là où tu l'as pris, tu vois, t'avais un espèce de petit réservoir bleu. Ben, c'est le réservoir pour l'engrais. Ah ouais, donc toutes nos machines sont là. Et les tracteurs, tu peux les mettre dans n'importe quel hangar, c'est bon pour toi, quoi. Ouais, non, on évite, tu vois, on essaye de ranger, tu vois, par type de machine. Ah oui, ça c'est à nous, donc. C'est ça, c'est qu'en fait, tu vois, vu que des fois... on n'est pas toujours ensemble sur la partie si on range n'importe où les machines, tu vois, et que chacun a sa façon de ranger les machines, après tout le monde cherche les machines, etc. Ouais. Oh bah voilà, sinon c'est tout, ouais. Bah ce qu'il y a, c'est que je connais pas encore je ne connais pas encore tous les types de remorques et tout ça qu'on a ici, mais ici je vois qu'on en a que 1, 2, 3, 4 avec la mienne, 5 avec ce que tu as. Ouais, mais moi ce que j'ai c'est rien, tu sais, c'est juste un. Moi c'est juste une masse. Une masse avec une pelle pour décorer. Voilà. On a 4 tracteurs, ici, on a quand même ce truc là. Le gros truc rouge ici. Enfin, justement oui, pour prendre les céréales. Ouais, mais ça c'est une mosse batte, ouais, tu peux rien faire. Enfin, tu peux juste couper avec. Donc ici. Ouais. Ça c'est pour semer. Hop, je suis là, voilà. Ouais. Ça c'est le semoir. Donc comme je t'ai dit, bah, comme t'as vu dans le tuto, tu dois passer la charrue
Eux ils disent de passer la charrue et le cultivateur, mais il n'y a pas besoin, tu passes ou la charrue ou le cultivateur et après tu sèmes. Celui-ci en fait il a un cultivateur intégré, tu vois. Donc en fait ça cultive et ça sème direct en même temps, tu vois. Donc en un seul passage en fait tu fais le travail de deux passages, tu vois. D'accord. Au lieu de passer la machine qui bouge là, là où je suis, tu me vois là? Ouais, je te vois. Au lieu de passer la machine qui rouge là plus un semoir, bah en fait là du coup tu passes juste le semoir avec le cultivateur intégré. Ça c'est un truc que t'as racheté après ou quoi? Ah non, ça c'est de base, ça existe hein. Ça existe en vrai, tu vois. Et c'est de base d'un farming. Okay. Ils l'ont modé à partir d'un vrai qui existe. Après ça c'est ça c'est pour faire de l'ensilage, tu vois, pour l'instant on a que ça pour faire de l'ensilage. Nous c'est la seule ensilage qu'on a. Là tu le mets à l'avant de ton tracteur, ouais. Tu te rapproches avec ton tracteur, tu le mets à l'avant, et puis après tu vas dans un champ et t'ensiles. Mais la barre de coupe elle est microscopique, elle fait 1 mètre. Donc, voilà. Après bah, ça c'est une remorque pour, voilà, pour nos chargements, tu vois, blé, blé et tout quoi. Ouais. Quand on va moissonner, et puis voilà. Et à côté il fonctionne. Si tu... Mais il manque le bras à l'avant. Ouais, okay. Mais ça le bras, bah en fait on le range, tu vois, parce qu'on peut pas la mettre en entier dans le... Donc les bras, tu vois, on les met là, tu vois. C'est juste à côté, donc là t'as le bras pour tout ce qui est céréales, donc maïs, blé, orge et colza, tu vois. Et après t'as ici pour le maïs. Et puis ici t'as la remorque à barre de coupe. La remorque, hein? La remorque à barre de coupe. Parce que là tu as les barres de coupe, on peut pas les emmener directement, tu peux pas prendre la moissonneuse et aller dans le champ avec la barre de coupe avec, tu vois. Il faut la mettre sur la remorque, ça passe pas hein, dans les chemins, tu vois. C'est trop large. Donc on est obligé, tu vois, ça nous oblige plein de manies. Ok. Et moi ma remorque là, ce que j'ai ça se range où? Pulvérisateur. Ouais. Regarde, appuie sur la touche 4, mais pas du pavé numérique. Ouais. Attends. Comment on fait pour sélectionner l'outil? Comment j'ai la sélection de l'outil, tu sais? J'ai, moi. Ça doit être marqué dans la fin. J'ai. Sélectionne le tracteur. Ouais, je l'ai. Voilà, et maintenant t'appuies sur 4. Voilà, ça change les roues. Mais en fait, ce tracteur là, à la base, on ne l'a pris que pour ça, tu vois, que pour pulvériser avec ses roues fines, tu vois. D'accord. Parce que là, t'as vu que les roues, elles ont changé. Hein. Ouais. Et en fait, on ne l'a pris pour ça, parce que c'est un mode qui va bien pour aller faire de la pulvérisation. Ah, bah cool. On l'a pris pour ça, du coup, on laisse. Allez, en fait, ça, on laisse toujours le pulvérisateur dessus. En fait. Et du coup, le tracteur, celui-ci, il va là. Là où je suis. D'accord. Celui-là il va là. Bah après c'est... Ouais. Et puis après bah, si tu veux on va aller se faire voilà, on va aller se faire un truc dans un champ. Tu me dis ce que je dois prendre. Parce que du coup Ouais mais si je dois déposer. Ah oui d'accord. Donc ce tracteur-ci clairement, bah, si on travaille à 3, je vais pas rester avec le pulvérisateur dans mon dos quoi. Ah bah oui, non mais c'est sûr, non mais après de toute façon il va falloir qu'on s'organise, c'est pour ça qu'il va falloir vraiment qu'on s'organise et aller faire du bois et farmer pour avoir de l'argent, tu vois, pour pouvoir s'acheter un tracteur, tu vois. Bah du coup si tu me dis je le dépose là et je sors du tracteur. Ouais celui-ci tu peux le laisser là. Donc je remets le frein avec shift barre d'espace, c'est ça que tu m'as dit? Ou shift C plutôt? Non, c'est contrôle barre d'espace. Ah, contrôle barre d'espace. Et après, t'appuies avec entrée. Enfin, t'éteins avec entrée. Avec ? Entrée. Ouais. Et là, bon, ça allez, on va aller faire un peu de bois. Ça ne lag plus là. Hein ? Oui, ça lag. Bah, ça dépend des fois en fait. Tu montes dans le case. Celui qui a la remorque à boile. Attends, hein. Celui qui a la remorque à bois. Ouais.
Ouais. Moi j'ai vu qu'une remorque en fait. Dans notre ferme. Vas-y, fais table. Ouais. Ah voilà. Vas-y encore. Ah oui, voilà, oui. C'est bon. Ah, ouais. Ouais. Vas-y, tu peux descendre. Ouais, on a toujours la tronçonneuse. Donc là, tu peux sortir la tronçonneuse avec 1, 2 ou 3. T'es toujours là ? Ouais, ouais. Bah non, t'es parti. T'es descendu. Non, je suis là, je suis devant toi. Ah, t'es descendu du tracteur, mais je te vois pas, moi. Ouais. J'ai la tronçonneuse dans les mains, là. Avec 1. Ah, je l'ai quand même. Et puis, donc après... Moi, je te vois. Alors, attends. Ouais, je sais. Donc après, avec ton clic droit de la souris, tu maintiens le clic droit et tu bouges la souris de gauche à droite, tu peux incliner la tronçonneuse. Ouais, je vois ça. Hein? Ouais. Après, donc voilà, tu te baisses, tu te rapproches d'un arbre. Avec contrôle, tu peux te baisser pour être au plus près de la souche, là, au plus près du sol. Ouais, que ce soit propre. Ensuite, donc, ouais, voilà, que ce soit propre. Et puis ensuite, voilà, tu règles bien ton inclinaison de la tronçonneuse et puis bah tu te laisses quoi, tu tronçonnes. Ok, ok. Ouais. Il tombe tout seul l'arbre. Ouais, logiquement, ouais. Il est pas tombé ? Non. T'as fait jusqu'au bout ? Parce qu'en fait, tu vois, donc, t'as vu, ça fait un truc bleu quand tu te rapproches. Ouais, ouais. Après, donc, quand t'appuies sur le clic gauche, ça passe en jaune. Il faut maintenir jusqu'à ce que ça soit encore jaune. Enfin, jusqu'à ce que ça redevienne bleu. Ouais, il l'a mis. Non, mais c'est peut-être parce que j'ai pas assez coupé pour qu'il tombe. Genre. Ouais, c'est ça, ouais. Peut-être la mauvaise inclinaison, il est resté en mi-quitte sur sa souche. Oh putain, il vient de tomber dessus. Voilà, il est tombé. Ah, moi je suis pas. Okay, mais il est carrément tombé sur le tracteur. Ouais, mais je te vois en fait. Ouais. Je te regardais, moi je te cherchais là-bas. Et j'en coupe combien ? Bah voilà, bah maintenant. Donc tu prends ta tronçonneuse, tu mets la lame à l'horizontale. Ouais, il y est. Ah voilà. Ouais. Et puis maintenant, tu passes le long et puis tu retires toutes les branches. Ah ouais, par contre, attends, on va être emmerdé là. Ah ouais, on va être emmerdé. Attends, je vais essayer de bouger le tracteur. Voilà. Ouais, ouais, parce que sinon, je savais pas couper. Là, ouais, faut tirer toutes les branches et puis... Eh putain, t'as déjà fait tout ça? Bah oui, bah j'en vise pour 2 minutes, hein. Lol. Ok, bah il a l'air d'être fini, là. Non, non, il lui reste des branches. Ah, chiant, mec. Il en reste une petite. Et là, des fois, tu sais, faut ça. Ah bah, c'est compliqué. On peut mal de se couper, nous deux. Hmm ? On peut mal de se couper, là, nous deux. J'ai pas compris. On peut mal de se couper, nous deux. On va pas se couper avec la tronçonneuse. Ah, mais non, on peut pas. Ah ouais. Putain, en plus, c'est bien, t'as pris un balèze, non ? T'as pris un grand, parce que je sais pas si t'as remarqué, t'en as des petits et des grands. Et ça fait un peu taper plus grand. Bon. Voilà. Du coup... Vas-y, attends, moi je vais monter dans le tracteur, tu vas monter à l'arrière. Vas-y, monte. Voilà. Attends, on va pas se mettre comme ça.
Merde, je vois pas le. C'est Oro qui écrit, je vois pas un truc de l'extrême. Mais je vois pas, j'ai mis ma fenêtre comme un con en fait, Oro. Attention, je fais manœuvrer. Ouais. Ah ouais, tu vas devoir faire des. Eh ben, il faut faire des troncs, des rondins maintenant. Ouais, ouais, ouais. De la donc, bonne longueur. Donc là, du coup, toi, ce que tu fais, c'est que. Alors, c'est pour ça que je t'ai mis là, tu vas voir un petit peu ce que c'est que la grue. Donc, avec clic gauche de la souris, t'as un axe en montant et descendant. Et un axe en. Mais faut que tu maintiennes. Donc toujours en maintenant le clic gauche. Ouais. Quand tu maintiens le clic gauche, si tu montes et tu descends la souris, ça bouge. Ouais. Non bah en fait il a l'air d'être bloqué avec les bois là. Attends, descends de nous. Je pense pas qu'il se bloque. Oh, c'est quoi ce connard? Attends. Qu'est-ce que tu connerie, lui? Oh, what the fuck. Donc voilà. C'est moi où ça lag beaucoup là. Non, en fait ça. Ouais, mais de toute façon ça lag du genre en plus. Et donc voilà, vas-y, bah baisse la pince pour pouvoir me soulever le pont. Que je puisse couper un peu. Donc tu vois, alors là maintenant tu maintiens les deux clics de la souris. Ouais. Et tu. Non, ouais, non, c'était pas ça. Vas-y, rouvre ton grappin, déjà. Maintiens les deux clics de la souris et tu tournes. Tu tournes le grappin. Attends, je vais me remettre au-dessus. Ouais. Je tourne le grappin. Tu peux tourner ton grappin, ouais, voilà. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc maintenant, tu repèses bien ton grappin, parce que là, t'es... Voilà. Rallonge un peu le bras. C'est plein de manies. T'as le deuxième bras, en fait. Alors, avec... là, c'est clic droit. Ouais. Et tu montes. Voilà. Et après, avec toujours clic droit, tu peux rallonger le bras. Voilà, c'est bon. En faisant de gauche à droite. Okay. Vas-y, là, tu fermes avec les deux clics et voilà. Maintenant, tu me le soulèves un peu. Il va galérer un peu, mais c'est pas grave. Vas-y, faut juste me le soulever un petit peu. Et voilà. En fonction, bon. si je le prenais, par exemple, un c'est peu bon, c'est bon. Stop, stop. Si je le prends plus loin, il pourrait très bien ne pas bien monter ou quoi. Bien, il montera toujours peu importe où je le prends, si c'est à un quart du tronc, de trois quarts. Non. Justement, c'est ce que je. Tu vois, regarde là, déjà, tu l'as pris quand même à. Ouais, j'aurais dû le prendre un peu plus de la moitié. Ouais. Et il penche par là, parce que le tronc est plus gros ici, donc il pèse bon. Plus lourd. Ouais. Si, tu vois, si t'avais voulu qu'il soit équilibré, il aurait presque fallu le prendre ici, tu vois. Mais là, c'est bien, hein. C'est bien comme ça. Tu vois. Ah, il y a déjà une branche qui reste. Hop. Voilà. Donc, tu peux me le baisser un petit peu, s'il te plaît. Là, c'est un petit peu haut. Ou ouais. Alors, on va couper. C'est bon là. Ici. Ouais, c'est bon. Ah ouais, là on te voit pas, on t'entend même pas tronçonner. Non, ça par contre, ouais, ça y a pas d'animation. Ah ouais, toi tu tailles en fonction, tu fais la longueur qu'il faut pour que ça aille sur la remorque, quoi. T'essayes en tout cas. Ouais, à peu près, ouais.
Et tu vois, moi je soulève avant de couper, comme ça c'est plus pratique, tu vois mieux ce que tu fais, tu vois, plutôt que de le faire au sol. Là au moins ton tronc à chaque fois il tombe. Ouais, et là du coup tu peux vraiment le finir. Ouais. Hein? Et je dis, là tu peux vraiment le finir en coupant en deux, ouais. Ouais, mais là je le prends deux ici. Ouais, il bouge. Non, mais c'est que moi j'ai des problèmes avec mes commandes ici. Ok. Et voilà. Donc là, bah tu le reposes un petit peu pour le pour mieux le reprendre. Reprends-le plus centré parce que. Ah. Salut, salut, Jabout 564, bienvenue à toi. Putain, mais je vois toujours pas qui est présent sur la chaîne. Bon, du coup. Ouais, ça c'est un peu désagréable. Attends, parce que j'ai relevé le truc. Ça, j'ai plus besoin de tourner. Je veux allonger le bras. C'est bouton droit quand même. C'est clic. Ouais, c'est bouton droit et de gauche à droite. Voilà. Ok, alors attends. Je dois le porter vraiment mieux. Hein. Ouais, bah à peu près, tu vois. Là, là t'es bon. Ouais, c'est bon. Et tu fermes ton grappin, il va être équilibré, tu vois. Alors, du coup, je vais le monter. Allez, Jean-Claude. Si tu montes trop vite ou quoi, il peut glisser du grappin ou tu as vraiment bien dedans? Ouais, faut faire attention quand même, tu vois, parce que après. Après, tu peux monter un peu plus vite, mais bon. Je suis assez haut là. Attends, je vois pas. Il y en a qui font les courins et des fois les rondins ils volent. Ok, je vais tourner le bras. Ah merde, quoi. Prendre ton grappin. Ouais, je veux le tourner, c'est quoi encore? C'est peut-être le bouton gauche. C'était deux clics, deux clics. Ah ouais. Ouais. C'est qu'il y a plein de commandes. Là il est bon. Hein. Ouais. Maintenant baisse le bras du. Le premier. Le deuxième bras. Deuxième bras. Pour renfoncer la, le tronc au fond de l'armoire. Bah je l'ai fait, attends. Ouais mais. Ouais non mais baisse le, baisse le. T'as le truc. Voilà. Baisse. Salut Nico. Bienvenue sur la chaîne aussi. Donc mode découverte pour moi, hein. Je suis nouveau, Elki qui est à côté de moi, lui connaît bien le jeu, donc il m'apprend un petit peu, j'ai pris le jeu aujourd'hui et on teste un peu, voir ce que ça donne. Bah il me semble que le enfin ouais j'aimerais bien piger le. J'ai l'impression d'être à fond avec tout ce que j'ai fait là avec le bras. Donc j'ai plus qu'à le déposer là. Non il faut. Là regarde, tu peux. Alors, tu fais clic gauche et tu lèves ta souris. Tu tires la souris vers toi, voilà. Ouais. Et maintenant tu fais clic droit et tu baisses la... et tu pousses la souris vers les. Enfin, pas vers toi, tu vois. Ah. Voilà, tu vois, tu me comprends. C'est bon, là, tu vois, ça enfonce un peu plus le tronc dans l'armoire. Je vois, je vois. Tu vas bien se mettre au. Voilà, je suis bien. Voilà, tu peux le lâcher. Voilà. Allez, prends un peu hein, pour voir avec la vitesse il fait. Ça sort. Et ça te le fait depuis le début le petit lag quand tu marches? Ouais, ouais, mais ça c'est, je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense que c'est surtout les serveurs dédiés. D'accord, d'accord. Et quoi les gars là que vous regardez, vous jouez aussi à ce jeu là? Ouais, ouais, mais attends, le tronc il est en dessous de ton pneu. Non, non, mais t'inquiète, logiquement ça devrait.
Ouais, vas-y, soulève le tracteur. Ah ouais, merde, ça va pas passer là en fait. Tu veux que je le bouge? Attends, attends, je vais le bouger. Hein. Ouais, attends, parce que là... Vas-y. Faut que je lève mes... Vas-y, c'est bon. Stop, arrête-toi. Parfait. Alki, je vais juste tenter un petit truc. Je vais faire Alta parce que je vois pas le chat d'OBS, ça va? Je reviens tout de suite. Ouais, ouais, vas-y. En espérant que ça plante pas. Ouais, on est belge. Bah, belge aussi, hein. Et Alki Rock, c'est français. Voilà, je vois le chat, donc je pourrais parler avec vous. Je crois que ça s'entend l'accent. Hein. T'es carrément fan du tour. Ouais. J'ai trop vu. Ah mais ça va pas. Ah putain, et mon tronc je crois qu'il est trop vu. Il est un peu long, bah tu peux peut-être l'avancer justement avec le bras. Ouais ouais, c'est ce que je vais faire. Je suis pas dépassé mais ça va aller. Tu veux que je sois coupé? Non t'inquiète. En tout cas, le jeu est beau, hein, le graphisme, le ciel. Oh, mets-nous un petit peu une petite musique, s'il te plaît. Voir si ça fonctionne aussi. Elki, tu veux que je te le coupe pendant que tu l'as là? Non, ça va le faire. Non, je te le coupe, hein. C'est au-dessus. Je peux te le couper, hein. Ouais, mais si tu le coupes, ça va foutre le bout de gueule. Pourquoi? Parce que du coup va falloir on va être en merde. Non mais ça va le faire. On va bien le charger au fond ça. Hop. Il t'en reste genre que le tracteur pour que t'ailles chercher celui-là. Le petit tu le prends pas, ouais, je suppose. Il en reste un autre parce que. Si bah si on laisse rien. Ok, attends là, on prend le petit. Attends, j'ai mes pieds qui sont. Attends. Ouais, ils ont carrément fait les feux du tracteur aux couleurs allemandes. De quoi? Ah, regarde, noir, jaune, rouge comme ça en horizontal. Qu'est-ce que tu veux essayer? Bah, les feux arrière du tracteur. Mais non, mais ce tracteur qui est comme ça. Bah ouais, mais c'est noir, jaune, rouge. Oui, mais c'est parce que c'est le plastique du feu, du dessus du feu qui est noir. Ouais, la physique est bonne, Oro. Franchement, enfin moi, de ce que je vois, bah, il manque juste peut-être des interactions. Bah regarde là, Elki joue et on le voit bien travailler, quoi. Il n'y a pas vraiment de problème particulier. Mais là, il demande si la physique est bonne, Elki. Mais ouais, hein, elle est bonne, hein. Ouais, la physique, elle est bonne. Elle est plus comme sur Farming 2013. Rien à voir. Par contre, putain, les oiseaux, ils ont pas envie de se taire un petit peu. C'est pire qu'à ouais, The j'avoue. Hunter ici. Mais logiquement, c'est pas si bruyant hein, sur Farming. C'est sur cette map que ça a été rajouté. Ah, par contre, ce qu'on a, je crois qu'il va être un peu long. Ouais, je peux le couper si tu veux. Ouais, je crois. Hein. Le problème c'est que si on coupe on risque d'être embêté avec le petit bout de branche. On va plus pouvoir le ramasser. On peut pas sauter? Vas-y, si ça le fait comme ça, vas-y recule le tracteur. On va y aller comme ça.
couper pourtant. Ouais. Je peux couper un tabi un petit peu. Ouais, mais si tu le coupes, on va pas pouvoir le ramasser le bout de bois. Parce qu'il va être trop petit. D'accord. Pas grave, on va le laisser comme ça. Mais par contre, putain, il y a tous les bouts de bois qui sont en train de partir en sucette dans l'arbre. Bon, je vais reculer, hein. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon, arrête-toi. On va y aller. Ok. Là, tu me disais qu'il y avait les touches normalement pour voir. Je pense, Oro, il faut mettre que ce qu'il y a. Je suis pas sûr qu'il. Ouais, trop long, ok. Et quand tu mets pas le frein du tracteur, il peut très bien reculer tout seul ou quoi, avec le poids ou ce genre de choses. Non, je pense pas, parce que ça c'est vraiment un mode qui a été rajouté, voilà, tu vois, c'est une fonction qui a été rajoutée, mais je suis pas sûr qu'elle soit fonctionnelle à ce point. Okay. Et toi tu m'avais dit qu'il y avait les Attends. Touches. Ah mon pont il va se casser la gueule. Ah il va tomber. Y'a la radio dans le tracteur ou pas? Non. Et on peut pas interagir avec les boutons du tracteur non plus dedans, non? Ah putain, ce qui devait arriver arrive. C'est bon. Ouf. Non, on peut pas. Ouais, ça c'est une chose que je ouais. Ouais, pour la CPU, tu pourrais allumer ton tracteur avec des boutons start ou quoi à l'intérieur, ce serait cool. Après c'est voilà, c'est une simu qui l'est de plus en plus, mais bon, faut dire que c'est une simu arcade à la base quand même. Ouais. Vas-y, ouais, tu peux y aller si tu veux ça. Ok. Allez où? Couper encore? Bon, ça va. Non, on part. On va à notre ferme. Non, on va le vendre. Donc là, on va à chauffer du biomasse. Vas-y, je te guide si tu veux. La prochaine chauffe biomasse. À gauche. Ouais. À gauche. Ouais, ça va, je vois. Pour la route qui est en face là. Ouais, mais je vois le truc biomasse. Okay. Attends. Chauffe biomasse. Par contre, vas-y. Ouais, doucement. Ah, ouais, c'est vrai. Je vois pas derrière. Ouais, parce que là. Non, c'était à droite. Ah ouais, y a pas de route en effet. Voilà, j'ai une radio dans le tracteur grâce à Oro. Ah, c'est cool. Vas-y, tu recules la remorque jusque dans la flotte. Tu as fait plonger. Je peux aller par là, hein, c'est bon. Hein. Ouais, vas-y. C'est bon. Vas-y, okay. Allez, remonte. Oui. On est arrivé. Donc là, j'ai dit, on avait combien? 26 300. Ouais, bah là, ça nous a rapporté 9000 euros. On a 35 250. Je le vois pas, moi, ça. Attends. Non, toi, tu le vois pas, toi. C'est pour ça, je te disais de te connecter en tant qu'admin. Bah ouais, sinon, je vois même pas la vente de ce qu'on vient de faire, en fait. Ouais, non. Thank you.
cette machine-ci, elle tourne la terre et elle plante direct, quoi. Ouais. Elle cultive et elle sème. Ça, par exemple, tu l'avais acheté, le kit, tu m'as dit. De quoi que j'ai acheté cet outil là. Non. Bah, tu pourras en racheter un deuxième si tu veux, quoi. Oui, on pourra en racheter. Ah oui, chose que j'ai pas dit tout à l'heure. Puisque je proposais aux personnes de rejoindre le serveur, à savoir que sur le serveur, il y a le DLC qui est activé, donc le DLC est requis. Le DLC du jeu. Un peu la merde ici avec leur caillasse là. Toujours là, j'ai eu. Tu joues à quoi toi? Bah, se toucher la nuit. Et toucher la nuit aussi. Non, t'as dit quel jeu? Et Shadow. Un petit peu de farming. Pardon? C'est sûr. Non. Shadow of Mordor, tu l'avais fini? Presque. Non, c'était. En mode histoire? Le mode histoire, j'ai. De toute façon, il n'y a pas de multi dessus. Non. Shift 4. 4 au-dessus. Ouais. Mais c'est possible que ce soit pas suffisant, et si c'est pas suffisant, t'actives les différentiels avant et arrière avec Shift 5 et 6. Putain, c'est balèze. C'est bon, je me suis décalé avec tout, avec le 4, le 5 et le 6. Ah bah ouais, ça fait toute la différence. Ouais, ça fait toute la différence. C'est pour ça que j'aime bien le mode survival. Ça va, parce qu'à la base, ça sur farming, ça passe. Ça, c'est un mode. Ah, vos gueules, les piafs. Ouais. La mer est basse. Ouais, bon, on va pouvoir se racheter un champ. Et c'est dans ce but là que je ferme du bois. Ouais. Ouais, on va pouvoir racheter un champ. Semer. Tout moi, c'est ce que je préfère quand même sur farm. Occuper des champs. Et des ennemis. J'ai fait un petit oubli, c'est pas vrai.
on les voit bien tous les phares. Ouais. Bah surtout quand t'as mis les phares arrière, ça fait bon. Ouais. Bah, ouais, c'est vrai. Ouais, pour un champ comme ici, tu viens à 3 avec 2 personnes qui sèment et une personne avec le pulvérisateur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est parfait. Et Wisebot, il m'énerve. Je pense que je vais pouvoir te suivre. Ouais, carrément. Attends. Merde, ah oh, putain, j'ai fait que de la merde. C'est parti. Bon, c'est parti. T'as vu que tu peux mettre un régulateur de vitesse aussi Ouais, avec la touche 3. Ouais. Et tu peux le régler, tu peux le diminuer en avec la touche 1 et l'augmenter avec la touche 2. Je vais regarder si je peux avoir le chat sur mon téléphone. Même la musique, il faudra que je augmente un petit peu le son, je pense.